tout, ils ont quand même 3 essais à 0 à leur avantage. Allez, on va zoomer vers Pascal Papé, installé à côté de Mostert. Ils sont dans l'élan physique de la Coupe du Monde, les internationaux. Oui, ils ont eu une grosse préparation, ils ont eu une très belle aventure. Jouer une finale et perdre de si peu, en fait, ça ne les a pas atteints. Bien au contraire, ils ont été déçus, mais ils ont tellement donné qu'ils sont rentrés même en héros en France. Et donc aujourd'hui, eh bien, ils sont enthousiastes, ils sont en forme. Et pourvu que ça dure, mais il va falloir qu'ils prennent aussi quelques vacances parce que la saison sinon va être très longue. Alors, remarquez que Philippe Sella est en forme lui aussi. Hein. Il m'a fait des infidélités pendant 2 mois avec Bertrand Guillemin, mais il est revenu au Bercail. Et il a la forme, il a la flamme pour le championnat. 17 à 9, François, pour le Stade français. À la mi-temps, on a déjà vu 3 essais et mon petit doigt me dit que c'est pas fini. Oui, et on l'espère en tout cas. On a vu les joueurs du Stade français dans ce vestiaire, Fabien, notamment les deux secondes lignes. Mostert qui mettait un peu de glace à un endroit assez intime, parce qu'il faut quoi? Il faut refroidir un peu le. Écoute, déjà, je sais rien, moi, je n'étais pas un adepte de ça. Ça nous a fait un peu rire. Oui. Je ne sais pas, il a peut-être pris un choc, mais c'est certainement voilà. L'explication. Voilà, j'espère que ce n'est pas les oreillons quand même, parce qu'il est arrivé là. Voilà. Il faut se méfier quand même. Hein. Il faut éviter le risque de surchauffe. En tout cas, on a vu aussi beaucoup de fruits dans le vestiaire clermontois, parce qu'ils ont peut-être besoin de vitamines là aussi pour repartir. Oui, là on peut parler de. Ils sont suffisants. Je veux dire qu'ils ont gagné 8 matchs sur 9, je crois, et quelque part ils ne sont pas venus ici avec à Paris avec cette envie qu'ils prouvaient depuis le début de la saison. Je crois que c'est surtout ça qu'on sent, d'ailleurs, David Scrella l'a dit. Hein. Ils ne sont pas dans les duels, ils ne sont pas dans la conservation, ils ne sont pas tout simplement. Inversement, le Stade français a beaucoup d'ambition. Et moi je retiens la performance de Pascal Papé, qui avec le ballon a toujours aimé chercher la solution passe, pas forcément impact et sol, et qui a été très intéressant sur cette première mi-temps. Voilà, on va y revenir aussi dans cette mi-temps, parce que nous aussi, on est prêts, on a relevé.